Top Music, premier sur la région. Salut à tous, c'est Maxime Le Marchand. Vous êtes sur Top Music, il est 20h et vous êtes avec moi pendant une heure pour mon émission. Eh ben déjà un vrai animateur radio, Maxime Le Marchand sur Top Music, 20h21h en ce mardi soir. Il est avec nous, il devient animateur sur Top Music. Salut Maxime. Salut à tous. Ça va, la forme? Ça va et toi? Bah écoute, ça va et on n'est pas seul puisque Estelle de On est tous debout aussi est avec nous ce soir. Salut coucou, Estelle. Salut. C'est toi qui vas répondre au standard. D'ailleurs, le standard est ouvert. Le numéro Top Music, c'est le 03-8-8 si vous voulez déjà poser vos questions à Maxime Le Marchand, défenseur du Racing Club de Strasbourg, qui va passer une heure avec nous. Tu vas un petit peu t'initier ce soir au métier d'animateur radio. Alors, moi, tu vois, je serais incapable de faire ce que tu fais au foot, par exemple. mais par contre, on va voir si tu arrives à faire de la radio aussi. D'accord, moi, ça me va. Bon, en tout cas, t'as fait un premier truc sympa, c'est t'as mis le col roulé. Ouais, comme toi, on était un peu accordé, ça va. Pour faire l'émission ce soir, faut être en col roulé. Et Estelle, désolé, t'es pas dans le dress code. Ah, zut, mince. En tout cas, on est en Facebook Live. On est aussi normalement en live sur YouTube, sur la chaîne Top Music. Donc, vous pouvez voir cette émission qui est intégralement filmée entre 20h et 21h en direct. Et puis, 03-UFA8. N'hésitez pas à nous appeler déjà si vous voulez poser des questions à Maxime Le Marchand et aussi jouer. Puisque, alors attention, je vais vous le dire, ce soir, dans cette émission, on va vous offrir déjà deux places pour le prochain match. C'est dimanche. Dimanche contre Reims. Dimanche contre Reims, 15h à la Méno. Maxime, on espère d'ailleurs que tu joueras cette rencontre. Oui, j'espère aussi. Ouais, voilà, il y a encore une incertitude, mais bon, on fait tout pour être sur le terrain dimanche. Parce que c'est ça, tu as eu une petite blessure, un petit pépin physique. Ouais, à Nantes, j'avais une petite gêne autour du dos et de la hanche. Et maintenant, je fais tout pour calmer justement ce problème et être prêt pour dimanche, on verra. Bah on espère te voir sur le terrain. En attendant, on espère surtout que le Racing va gagner cette rencontre face à Reims. Et les inscriptions pour gagner vos places, ça se passe sur topmusic.fr. Mais aussi, Maxime, ce soir, tu mets en jeu un cadeau exceptionnel. Je te laisse nous raconter tout. Mais écoutez, non, ce sera le prochain maillot porté. J'espère que forcément contre Reims, mon prochain maillot porté, je le dédicacerai et puis je l'offrirai à un de vous. Voilà. Ah, trop bien. C'est canon ça, franchement. Génial. Hein. Prochain maillot porté par Maxime en match sera dédicacé et sera offert à l'un d'entre vous pour jouer. Vous vous connectez sur la page Facebook de Top Music. Il y a une publication qui a été publiée à peu près il y a un petit quart d'heure, 20 minutes. Vous la commentez, likez et partagez. Voilà, soyez les bienvenus. Et Maxime aussi, c'est la particularité de cette émission, c'est que ce sera toi qui feras la programmation musicale. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai quelques musiques que j'aime bien. On verra si ça plaît aux auditeurs. On va voir surtout si t'as bon goût. Oui, c'est ça. Ouais. Je crois que tu m'as validé quand même un peu les sons, même si tu m'as corrigé sur certains. Ouais, normalement tout a été. Ouais, bah à un moment, je sais pas ce que tu voulais. Je t'ai dit, mais non, c'est pas possible, Maxime. Faut rester. Bon, rappelle-toi, on est chez Top Music. Exactement. Ok, ça marche. Bon, Maxime, on va déjà, pour cette première partie d'émission, apprendre à mieux te connaître. Déjà, pour remettre dans le contexte, je vais faire un petit peu ta fiche Wikipédia, j'ai envie de te dire. Tu es né le 11 octobre 1989 à Saint-Malo, c'est ça. En Bretagne, hein, donc. Mm-hmm. Et tu es défenseur central, tu es gaucher. Et tu as été formé au Stade Rennais jusqu'en 2009, puis au Havre, avec tes débuts aussi en professionnel du côté du HAC jusqu'en 2015. Alors, tu as commencé au poste d'arrière gauche, c'est ça. Avant d'être replacé dans l'axe par Éric Monberts, c'est ça? C'est ça. Qui était l'entraîneur du Havre à l'époque et aussi l'ancien sélectionneur de l'équipe de France Espoir. C'est ça. Avec Éric Monberts. Ensuite, tu as fait 3 saisons à l'OGC Nice. Mm-hmm. Et puis ensuite un départ pour l'Angleterre à Fulham. Estelle, tu sais aussi Fulham? En Belgique. J'ai dit l'Angleterre. Ah mince. Non mais dans quelle ville? Je sais pas. À Londres, bah voilà. Fulham entre 2018 et 2021 avec une expérience en prêt en Belgique aussi au Royal Antwerp. Ah voilà, tu vois, il y avait la Belgique. Oui, c'est vrai, mais voilà, on va dire que t'avais raison là-dessus. Et donc depuis cet été à Strasbourg. Alors moi, ma première question, c'est comment s'est passée ton arrivée en Alsace? Bah écoute, très bien, vraiment très bien. J'ai été très bien accueilli, très bien intégré. Alors il y a pas mal de Bretons dans le staff surtout de Strasbourg, donc forcément ça aide un peu. Mais ça s'est fait assez vite entre le transfert entre Fulham et Strasbourg. Et puis j'ai été très bien accueilli. Voilà, ça se passe très bien. Et puis quand les résultats sont là, forcément ça peut que aller. Et quels ont été tes motifs de départ de Fulham? Non, j'avais moins de temps de jeu là-bas, je savais que j'aurais moins de temps de jeu, il y a une concurrence qui est assez importante là-bas et moi je voulais jouer, je voulais reprendre du plaisir, je voulais aussi revenir en France pour moi, pour ma famille, donc voilà, il y avait toutes ces cases qui étaient cochées, donc c'était la bonne opportunité pour moi de revenir en France et surtout de jouer dans un club comme Strasbourg qui est top et qui est très, très reconnu en France. C'est alors
à l'époque où tu étais à Nice, tu n'as pas connu Strasbourg parce que c'était entre 2015 et 2018. Oui, mais j'ai joué contre Strasbourg. La seule saison, la saison de la remontée de Strasbourg. C'est ça. Ouais, ça doit être ça. Et donc, ça t'a marqué cette ambiance à la Méno ? Ouais, toujours. Toujours quand je joue à la Méno, c'est vrai que c'est. Quand on est adversaire, on sait très bien qu'il y a le public derrière. Et puis maintenant, je suis très content de les avoir derrière moi plus. Ouais, tu m'étonnes. Et tu parlais tout à l'heure des Bretons aussi, de l'effectif strasbourgeois. Est-ce que le fait d'avoir Julien Stéphan, ex-Rennais, comme toi, a joué dans la balance ? Non, pas forcément. C'est un bonus, mais c'est surtout voilà, les qualités de la philosophie du coach, les qualités qu'il peut avoir, les compétences qu'il peut avoir. Donc voilà, après, ça reste un bonus qu'il puisse être breton. Ouais. Et quelle est la première chose qui t'a marqué en arrivant à Strasbourg ? Qui m'a marqué ? Ouais. Je dirais la cathédrale. Je peux dire la cathédrale ? Tu peux. Non, il y a plusieurs choses. En ville, c'est la cathédrale, bien sûr, mais après, forcément, je la connaissais déjà, mais l'ambiance à la Méno est très impressionnante aussi. Mais comme je l'ai dit, c'est mieux qu'il soit derrière moi maintenant. Alors, Maxime, le marchand avec nous, 20h-21h, animateur sur Top Musique. On va passer aux questions rapides. En gros, à toi de me dire, sur chaque question, la première réponse qui te vient en tête. Il y en a 10. Okay. Et tu sais quoi, pour mettre un petit peu la pression, on va lancer un chrono. Ah d'accord. J'attends une partie. T'as pas le temps de réfléchir 5 secondes à chaque fois. Hein. D'accord. On y va, du tac au tac. Je vais faire c'est au bon, mieux. Tu es prêt? Alors, donc 10 questions à la suite. Le meilleur joueur de foot de tous les temps? Ça commence bien. Zidane. Zidane. Le club que tu supportais gamin? Le Stade Rennais. Ta ville préférée dans le monde? Dans le monde? Londres. Ta cuisine préférée? Méditerranéenne, ouais. Italienne? Italienne. Un accessoire indispensable dans ton quotidien? Le téléphone. Le premier mot qui te vient à l'esprit si je te dis Alsace? Tarte flambée. Le premier mot qui te vient à l'esprit si je te dis Bretagne maintenant? Galette saucisse. Ton meilleur souvenir en match? Vas-y. Meilleur souvenir? Ouais. J'en ai plein, mais... C'est surtout les victoires, les qualifications, les victoires. Voilà, j'ai gagné un trophée avec en jeune avec Rennes. C'est celui-là, je pense, c'est le tout premier. Ouais, oui, le premier trophée. Ouais, l'équivalent de la Coupe de France pour les jeunes, et c'est le premier trophée qui reste. Gambardella. La Gambardella. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, et c'est tu l'as gagné aussi, Estelle ? J'ai gagné avec mon équipe féminine. Ah oui. Maintenant, la même chose, Maxime, mais 10 questions où tu vas devoir me donner le nom d'un de tes coéquipiers au Racing à chaque fois. Ouf, ok. Et tu n'as le droit qu'à un seul joker. Donc quoi, tu me fais une définition, c'est le joueur qui le décrit, ça, voilà. C'est la description, d'accord. Exactement. Okay. À chaque fois, un de tes coéquipiers au Racing. Tu es prêt ? Ok. Qui est le plus technique ? Thomasson. Le moins doué de la tête ? Ouais, je sais pas, mais je pense, je dirais Dimitri Liénard. Le plus chambreur ? Le plus chambreur ? Anthony Cassie. Celui qui a le plus de succès avec les filles ? Ça, j'en ai aucune idée, mais à mon avis, Gamero, Kevin Gamero. Ça fera plaisir à sa femme. Ouais. Celui qui a le plus de succès avec les supporters ? Ludovic, à Jork. Le plus sympa à ton arrivée ? Le plus sympa à mon arrivée ? Dimitri Liénard. Le moins bon chanteur? Dimitri Liénard. Il est cité 3 fois quand même, Dimitri. Ouais, attends, il est présent, bien présent dans le vestiaire. Même si le chrono est terminé, celui qui s'habille le mieux ou le moins bien, t'as le choix? Le moins bien. Ou le mieux? Ou le mieux. Le mieux, je dirais Jean-Eudes Aoulou. Jean-Eudes Aoulou, c'est vrai? Ouais. C'est le roi de la sape? Ah, franchement, à chaque fois, il m'impressionne. Je lui dis pas, hein, mais bon, peut-être s'il m'entend, voilà, je le vois tous les matins, il est impressionnant. Le plus à l'aise face aux caméras, enfin, dans les interviews en général? Toi? Moi, je suis assez à l'aise, mais je pense qu'il y en a pas mal dans le groupe qui sont assez à l'aise avec ça. Ouais. À partir de ce soir, ce sera toi. Hein. Ouais, on t'enverra tous les interviews. Là, ouais, je pense. Ouais. Et enfin, le plus alsacien? Ouais, Dimitri. Ouais. Alors, Dimitri est de Belfort, mais ouais. il est alsacien. Anthony Cassie alors ? Anthony Cassie de Forbach. Il est de Moselle. Pardon, je connais pas. Mais ils sont du coin. Ils sont du coin. Mais c'est vrai que Dimitri, c'est vraiment le plus alsacien des Belfortins. Ouais, enfin, il a fait beaucoup d'années au club. Ouais, clairement. Maxime Lemarchand, animateur sur Top Music jusqu'à 21h. Je vous rappelle que tout à l'heure, on vous offre vos places pour Strasbourg-Reims dimanche à la Méno. Inscription sur topmusic.fr. Il vous offre aussi son prochain maillot de match dédicacé et porté aussi pour jouer. Vous connectez sur la page Facebook de Top Music. Allez-y, maintenant, il y a une publication à liker, commenter et partager. Tiens, on va commencer avec un premier titre que tu as choisi. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ? Osuna et Sia, Delmar, c'est une musique qui, voilà, maintenant en ce moment, il y a un peu de grisaille justement, donc ça ramène un peu de soleil à chaque fois. Je le mets dans ma voiture pour aller à l'entraînement, ça me motive pas mal. Ouais. Eh ben, c'est parfait. Osuna, Sia, Doja Cat, maintenant sur Top Music, et puis rejoignez-nous sur le Facebook Live. On va répondre à vos questions pendant le titre là sur Top Music. On revient avec Maxime Lemarchand en direct jusqu'à 21h sur Top Music.
Eh ben bonsoir à toutes et à tous. Normalement, vous devez nous entendre là sur le Facebook Live, sur le YouTube aussi. Eh ben on vous souhaite la bienvenue pour cette émission spéciale avec Maxime Lemarchand. Alors, je vous explique, oui, en fait, on va pouvoir réagir, répondre à vos commentaires pendant les musiques. C'est aussi une histoire de droit d'auteur. Vous savez qu'on n'a pas le droit de diffuser des musiques en direct sur le Facebook Live, notamment, ni sur YouTube. Du coup, je propose de. On passe le micro à Maxime, peut-être. Et comme ça, tu vas pouvoir répondre à quelques questions. Si tu veux, tu peux lui poser, voir les questions qu'on a en live. Merci, Charlie. Alors salut Pascal, écoute, il y en a plusieurs maintenant. Voilà, c'est le principal est vraiment d'emmener le club le plus haut possible et d'être toujours dans cet objectif de progression qu'on peut voir depuis le début de saison. Donc voilà, on est sur cette lignée et j'espère qu'on pourra aller, comme je l'ai dit, le plus haut possible. Christiane te demande si vous avez une bonne ambiance entre les joueurs. Ouais, il y a une très bonne ambiance, donc ouais, bonne question Christiane, parce que ouais, c'est une bonne ambiance, tous les joueurs sont très bien accueillis dans le vestiaire, et puis tout autour, voilà, les gens qui y travaillent, le staff, autant médical que technique, voilà, c'est tout, très 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 bonne ambiance, et on peut que se plaire dans ce vestiaire. Ouais. Je sélectionne quelques petites questions. Alors, soit Alex nous dit « Salut Maxime et la team, très contente que tu aies rejoint le Racing Club de Strasbourg-Alsace. Sur ces premiers mois, quel est ton top 3 de la région ?» Ouais, bonne question. Alors, oui, c'est vrai que ça fait peu de temps quand même que je suis là, mais mon top 3, dans quoi, si c'était dans les lieux qui... je dirais... l'ambiance à la Méno, déjà, ça a bien marqué quand même. La ville, j'aime beaucoup la ville, et la nourriture alsacienne aussi me plaît pas mal, aussi me correspond. Et la dernière, donc un peu dans le même style, Noël te demande si tu as déjà goûté des spécialités culinaires alsaciennes, lesquelles et les as-tu aimées? Alors bien sûr, ouais, la tarte flambée, c'est vrai, dès ma signature, il y avait des responsables du recrutement qui m'ont emmené dans un restaurant et qui m'ont fait goûter les spécialités, et puis... notamment la tarte flambée, ça m'a plu. Donc voilà, après je sais qu'il y en a énormément et j'attends de découvrir tout le reste. Ouais. Bon bah voilà, je repasse le micro à Charlie. Exact, bon, on se retrouvera à la pub d'ailleurs pour répondre encore à vos questions. N'hésitez pas à nous rejoindre et à commenter sur le Facebook Live. On reprend l'antenne tout de suite. Premier titre choisi par Maxime Lemarchand ce soir pour cette émission spéciale Ousenacia et Doja Cat. T'aimes bien ce genre de titre, un petit peu soleil latino, hein? Ouais, c'est vrai que j'en écoute beaucoup. J'ai croisé aussi pas mal de joueurs forcément qui ont d'origine espagnole ou portugaise. Et ça me plaît pas mal parce que ça met de la joie dans un vestiaire et puis voilà, ça motive. On écoute quoi, tiens, dans le vestiaire du Racing? Pas mal de choses. Ça dépend forcément de celui qui met la musique, mais ça reste quand même assez rap, assez urbain. Assez urbain. Ouais. Ok, donc, d'accord. Donc voilà, chose qui peut me plaire de temps en temps, mais pas tout le temps. Alors, Maxime, on m'a dit que tu aimais beaucoup le cinéma. Oui. Tu vas nous parler de tes goûts cinématographiques. J'ai quelques questions pour toi. Déjà, quel est ton film préféré, toutes catégories confondues? Sans hésiter, Gladiator. Gladiator. Oula, un classique. Ridley Scott, hein, c'est ça? Ridley Scott. C'est pas Ridley Scott? Je crois pas, non. Je sais pas. Si, Gladiator. Alors, Madame l'assistante va vérifier voilà, tout ouais. Ça. Alors, je pourrais pas te dire, franchement, je pourrais pas te dire, mais je suis pas sûr. Le film de 2000. Ouais, dans ces eaux-là. Si, Ridley Scott. Ouais, bien joué. Voilà. Ridley Scott et musique par Hans Zimmer. Voilà, Hans Zimmer. C'est surtout ça. Ouais. On va parler un petit peu plus tard de Hans Zimmer. D'accord. Juste avant, je te demande la saga de films que tu adores. Star Wars. Star Wars. Ouais. Le plus grand acteur de tous les temps. Moi j'en ai surtout un, c'est Tom Hanks. Tom Hanks. Ouais, ah oui. Je me faisais chambrer d'ailleurs sur la prononciation en Angleterre, fallait bien le dire Tom Hanks. Hanks. Il comprenait pas quand je le disais en français, mais c'est lui. Ouais. Le dernier film que tu as vu? Le dernier film que j'ai vu, je crois que c'est Five, je crois. Qu'est-ce que c'est? C'est avec Pierre Niney, non? C'est Five, je crois. Ah ouais, oui, avec, oui. Ouais. Pas une histoire de coloc? Ouais, c'est ça, une histoire de coloc et en final, ouais, ouais. Ils se retrouvent en galère financière. Ils font, ouais. Ça part un peu, mais c'est moi j'adore cet acteur, Pierre Niney, c'est un très bon acteur français. Ouais.
Ta série préférée? Ma série préférée, j'en ai plusieurs. Étant jeune, ça a été Les Frères Scott. Ah ouais. Oui, pour ceux qui, je valide à 100%. Ouais. Ah, merci. Non, ouais, c'était ça. Après, je regarde un peu de tout, mais je suis plus quand même film. Et la dernière série que tu as vue? Que j'ai vue, bonne question, je sais pas, je crois que c'était sur Apple TV, c'était Si, là, donc, quelque chose comme ça, Si. Si. Ouais, S-E-E, je crois. Ah ouais, non, ouais, ça me parle pas. Ouais, c'est sur Apple TV, je crois que c'est quelque chose, c'est assez sympa, ouais. T'as regardé sans vraiment être ouais, à fond voilà, dedans, voilà, quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça que je te dis que je suis plus un peu film, ouais. Alors, justement, tu es fan de Hans Zimmer, tu en parlais juste avant, immense compositeur de musique de film, et on t'a préparé un blind test avec les musiques d'Hans Zimmer. Oula. À toi de dire de quel film il s'agit. Mais je te propose qu'on joue juste après. On va revenir dans, allez, même pas une minute sur Top Music, ça marche? Très bien. Allez, vous restez ici, on revient, allez, dans 1 minute 30 pour être précis, à tout de suite. Ah oui, vous ne m'entendez pas, voilà, c'est bon, vous m'entendez normalement. Oui, donc je disais, pour ceux qui nous retrouvent sur le Facebook Live, on y retourne là dans 45 secondes pour être précis avec Maxime Lemarchand. On va lui faire le blind test spécial Hans Zimmer. Et puis après, on enchaînera avec un nouveau titre que Maxime a choisi. C'est lui le programmateur musical ce soir. Donc dans 30 petites secondes, d'ailleurs, n'hésitez pas encore à mettre vos questions hein, sur le live. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Sur le Facebook Live, sur le YouTube aussi. Normalement, on est en live sur YouTube. Allez-y, mettez vos questions en commentaire. On les posera à Maxime, que ce soit à l'antenne ou même hors antenne. Voilà, comme ça, on prendra le micro pendant les musiques et pendant les pubs. Et puis, je vous rappelle qu'on vous offre tout à l'heure vos places pour Strasbourg-Reims dimanche à la Méno. Inscription sur topmusic.fr et votre maillot dédicacé par Maxime Lemarchand gagné aussi dans la publication sur Facebook. À liker, commenter, partager. On y retourne, à tout de suite. On est de retour avec Maxime Lemarchand, 20h, 21h, c'est ton émission ce soir hein, Maxime, c'est toi qui deviens animateur sur Top Music. Je te disais, on va se faire un blind test spécial Hans Zimmer, puisque tu es fan du compositeur allemand, célèbre, il a composé des tonnes de musique de films, c'est incroyable, c'est quand même un mec incroyable dans le milieu du cinéma. C'est, il pèse. C'est ça. Justement, il a pas mal de compositions, donc c'est pour ça que ça me fait peur. J'ai peur de me louper. Il y en a 8. Alors, c'est compliqué. Je t'avoue que quand je l'ai préparé, je me suis dit, ah oui, quand même, faut reconnaître. Hein. C'est pointu. Hein. Ah, écoute. T'es prêt? Voici le premier extrait. Ouais, c'est... Un petit peu rock comme ça. Ça te parle? Pas du tout. Ça commence bien. Ouais. C'est un petit peu... un film avec un gars qui est dans un costume... Batman? Non. Superman? Ça termine par Man aussi. Superman? Non. Spider-Man? Non. On va tous les faire. Je vais tous les faire. C'est le dernier, mais je sais pas. Iron Man? Iron Man? Ouais, Iron Man, je 2008. Je savais même pas qu'il avait fait Iron Man. Hans Zimmer. Tu vas peut-être apprendre des choses, justement. Attention, ouais. Peut-être plus facile cette fois-ci. Ah oui. Forcément, tout le monde l'a celle-là, mais... Mais ça te revient pas? Oh, franchement, c'est difficile. Ouais, c'est non, difficile. Non, c'est connu, ça. Oui, mais j'ai même moi qui ai la réponse sous les yeux, je l'ai, franchement. Je l'ai, mais au bout de la langue, mais je pourrais pas te... C'est un dessin animé. Ça se passe en Afrique. C'est le Roi Lion. Bah oui, c'est le Roi Lion. Ah oui, c'est connu. Avec un Oscar, un Grammy Awards et un Golden Globe pour Hans Zimmer, avec la musique du film Le Roi Lion. Nouvel extrait. Là, on est aussi sur de l'animé. Ah oui. C'est pas Disney, je crois. Hein. Non, je crois pas. Ça parle du Nil. Il faut que tu m'aides. Hein. Avec des animaux. Une île avec des animaux. C'est Avatar. En 3D, non, c'est DreamWorks, c'est je crois. Non. DreamWorks. Ouais. 1900. Non, ouais, de... 2005. Mmh, exactement. Alors, une île au large de l'Afrique. Avec un lion aussi. Madagascar. Madagascar. Ouais, Madagascar, c'est lui, Madagascar. Attention. Tu me sors pas les classiques quand même. Ça sera peut-être plus connu ça. 1998, hein, je t'aide. C'est un film qui se passe dans l'espace. Ouais. C'est connu aussi. Ah. Apollo, mais... Non.
à Armageddon. Armageddon. Ouais, c'est pas la plus connue d'Armageddon, ouais, ouais, mais Armageddon, ouais. Ouais. Sois pas de mauvaise foi, s'il te plaît. Bah, attends, je suis censé être fan de Hans Zimmer et j'en sors pas une. Bon, celle-là, ça devrait aller. Ouais, mais c'est dur. Le Simpson. C'est lui. Le Simpson, c'est lui. Mais tu vois, je savais même pas. Attention, la version du film. Hein. Ah oui. Le film en 2007, qui ouais. a été remasterisé, et Hans Zimmer a composé la plupart des musiques, notamment Spider Cochon aussi. Ah, ouais. C'est lui. Spider Cochon, mais c'est non. lui. Mais non, c'est pas une, ça, c'est plus grande réussite, je pense. Bah si, c'est une réussite, mais. Oui, ouais. Bah, c'est connu, quoi. Voilà. C'est connu. Ouais. Attention, là, c'est tout récent. Ah oui, c'est. C'est le dernier film avec, sur lequel il a composé, non peut-être. Ouais. Bah, en tout cas, c'est le dernier. Il est encore au cinéma en ce moment. Avec un espion. James Bond. Bah ouais, James Bond. Ah ouais. Le dernier s'appelle Mourir peut attendre. Tu vois, tu m'apprends des choses. Hein. 007. Je suis vraiment sur les gros classiques. Et Gladiator. Hans Zimmer. Ouais. Attends, il en reste deux. Celui-ci, on va voir si tu le trouves. Ça se passe à Paris. Ça se passe au Louvre. 2006. Da Vinci Code. Da Vinci Code. Super film et super chanson, super acteur. Super acteur, c'est qui? Bah c'est Tom Hanks, justement. Tom Hanks. Eh oui. Et le, bon, le dernier, ça devrait tomber direct. Hein. Pirates des Caraïbes, mais ça, tout le monde l'a. Pirates des Caraïbes, voilà. C'est peut-être, là, c'est peut-être une des plus connues. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah, il a co-écrit. Si tu faisais ça dès le début, ça, il ah bah ouais. m'aurait mis en confiance. Fallait de la difficulté, qu'est-ce que tu crois, Maxime? Ouais, bah. On n'est pas là pour plaisanter, attends. Ah non, mais t'es, bon. Pas, t'es pas sympa. Bravo, ça, on va dire allez, 50-50. Allez, ouais, on va faire bonnes réponses sur gentil. Ouais. Pour Maxime Le Marchand sur le blind test spécial Hans Zimmer. Tiens, je te propose qu'on continue avec la musique. Alors, c'est pas du Hans Zimmer hein, cette fois-ci. Qu'est-ce que t'as choisi là? Ouais, un classique aussi, mais différent. Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne, je pense que ça parle à tout le monde celle-ci. Le classique ouais, de Jean-Jacques qui fait plaisir dans les années 80, quand la musique est bonne maintenant sur Top Music. 20h-21h, c'est l'émission spéciale Maxime Le Marchand, défenseur du Racing, animateur sur Top Music. À tout de suite. Bon voilà, là on a Jean-Jacques Goldman qui joue sur le direct radio. Bon, en tout cas, c'est bien, vous êtes nombreux à nous rejoindre. Soyez les bienvenus. Tiens, on a d'autres questions et celle peut-être que tu vas pouvoir reprendre le micro avec Maxime. Comme ça, Maxime pourra répondre à vos questions en direct. Alors, qu'est-ce qu'on a, je regarde. Alors, ton pronostic du match dimanche. J'annonce une victoire, forcément. La dernière fois contre Lyon, j'avais dit 2-0, au final ça avait fini à 4 je crois, donc maintenant je vais partir sur un 3-0. Ah, carrément. Ah, oui, ouais. Il y va pas de main morte, hein, Maxime. Ton choix de numéro de maillot a-t-il une signification particulière? Là, c'est une question de Sylvia. Oui, bonne question, j'avais ce numéro déjà au Havre, le 23, donc c'est vrai que c'est un numéro que j'aime beaucoup. Donc ça n'a pas une signification vraiment, mais c'est un numéro que j'aime beaucoup. Voilà, il y a de grands joueurs qui ont porté ce numéro, aussi au basketball. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime ce numéro. Et du coup, tu peux choisir ton numéro, c'est bien ça? Si personne ne l'a pris dans l'équipe? Oui, c'est ça. Ouais. Si personne n'a pris dans l'équipe, on choisit. On a voilà, une liste des numéros qui sont disponibles. Après, il y a des joueurs qui arrivent à imposer leur numéro, qui arrivent, des grands joueurs qui arrivent et qui veulent un numéro précis. Mais moi, ça n'a pas été le cas. Donc non, mais ouais, voilà, c'est ça. On a une liste et on doit choisir. Alors, j'avais encore une petite question que j'ai vue avant. Alors attention, elle est partie. Oui, alors c'est Pascal qui demande si tu aurais des nouvelles de... Enfin, si tu avais des nouvelles de... du retour sur de Lebo Motiba. Je vais réussir. Est-ce que tu as des nouvelles sur le retour de Lebo Motiba? Oui, un petit peu. Lebo Motiba est ouais, absent depuis un moment, mais il a fait des rechutes. Mais voilà, il travaille. Moi, je sais que je le vois travailler tous les jours très, très, avec beaucoup d'envie. Et puis voilà, maintenant, je crois qu'il revient petit à petit avec nous, avec le groupe. Donc j'espère vraiment le voir prochainement dans le groupe et sur le terrain. Ça ferait du bien. Et il a une joie de vivre dans le vestiaire qui est vraiment communicative. Donc voilà, je serais très content pour lui qu'il puisse rejouer avec nous. Et
pour finir, peut-être, je voulais juste te lire quelques commentaires qui sont hyper sympas pour toi. Donc, t'as Ludo qui dit t'es un de mes meilleurs joueurs. Mélie, trop bon joueur. Alexandra, yes, un joueur top et très sympathique. Bon, après, il y en a qui ont validé ton 3-0 pour dimanche et ils retiennent. Hein. Donc, il dit. Et il y a Sarah qui dit allez, je note le 3-0 et si je perds, ce sera de la faute de Top Music. Bah alors je vais motiver les troupes alors pour dimanche. Allez, merci à toutes et à tous. On y retourne avec des questions auditeurs justement par téléphone, à tout de suite. Voilà le classique de Jean-Jacques Goldman sur Top Music, choisi par Maxime Lemarchand. C'est ça. Mais c'est marrant. C'est marrant, c'est quoi? Ça te rappelle des souvenirs, ce genre de titre, c'est ça? Ouais, c'est des chansons que je pouvais écouter étant jeune, peut-être mes parents aussi. Donc voilà, il y en a beaucoup de Jean-Jacques Goldman. Donc voilà, c'est des musiques qui passent très bien. Ouais. Maxime Lemarchand, défenseur du Racing Club de Strasbourg, animateur sur Top Music ce soir 20h-21h. Vous pouvez poser vos questions à Maxime, vous nous appelez au 03 88 et Estelle décroche, vous nous envoyez aussi un petit message sur tous nos réseaux sociaux, allez-y, n'hésitez pas. Et justement, on a quelqu'un avec nous, c'est Corentin d'Ilkirch. Salut Corentin! Salut Charlie, salut toute l'équipe et salut Maxime forcément. Salut Corentin. Alors, on t'écoute pour ta question. Ouais, alors moi j'avais déjà une première question, c'est on sait que tu as été sollicité par plusieurs clubs. Qu'est-ce qui a fait dans ta décision que tu as choisi Strasbourg et pas un autre ? Oui, c'est vrai que j'ai eu des sollicitations et c'est vrai, bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'émission, moi je voulais vraiment revenir en France et c'était un peu déjà... La raison numéro une. Et après voilà, j'avais aussi ce qui a fait pencher la balance, c'est vraiment cette discussion que j'ai pu avoir au téléphone avec l'entraîneur, avec le coach Julien Stéphan, où voilà, il m'a convaincu, sa philosophie de jeu me correspondait, je sentais qu'il me connaissait vraiment sur le bout des doigts et qu'il savait que je pouvais apporter à l'équipe. Et moi c'est ce que je voulais apporter toute mon expérience à l'équipe et toutes mes qualités. Donc c'est ça qui a fait pencher la balance. Et puis d'autant plus que voilà, moi, ma famille aussi a validé, ma femme a été aussi très, très, très positive là-dessus, parce que voilà, il y a la ville qui est superbe, il y a une ambiance qui est superbe, donc forcément il y avait tout pour venir à Strasbourg. Corentin. Ok, ouais, donc, moi, ma deuxième question c'est sur l'intégration, du coup, donc j'ai l'impression que ça a été plutôt facile pour toi de t'intégrer, que tu es bien intégré. Et du coup, je vais te poser une deuxième petite question. Selon toi, les meilleurs capos, c'est les habituels Ultra Boys ou Alexander Djikou? Bonne question. Ouais, Alex Djikou, il est parti dans les tribunes, je crois, pour un peu enflammer le stade. Mais voilà, non, franchement, voilà, il n'y a pas de problème avec les supporters. On sait qu'ils sont toujours derrière nous. Et puis, Alex, je pense que c'était un petit clin d'œil pour eux, pour tous ces supporters voilà, qui nous soutiennent, quoi qu'il arrive sur le terrain. C'est vrai que bah, toi, tu fais partie des UB, Corentin? Oui, totalement, oui. Ouais. Et ça vous fait quoi, justement, quand vous voyez comme ça des joueurs qui débarquent, que ce soit Djikou, il y a eu aussi Jérémy Grimm, ancien joueur du Racing, qui était passé il y a quelques semaines dans le COP. Vous êtes content quand vous les voyez débarquer comme ça et jouer le jeu avec vous? Oui, on est toujours content, oui, bien sûr. Et puis après, Djikou, c'était un peu la surprise, parce que personne l'a vraiment... En tout cas, moi, personnellement, avec le petit groupe avec qui j'étais, on l'a pas du tout vu arriver. Mmh. Et d'un seul coup, c'est la voix du capot qui a changé. Se rendre compte que c'est un joueur qui est là, on se dit... C'est quand même, il n'y a que ici qu'on voit ça, quoi. C'est qu'à Strasbourg qu'on voit ça. C'est vrai qu'il y a une relation assez, assez fusionnelle entre les joueurs et les supporters. Ouais. C'est ce qui te reste à faire, Maxime. Ah là là. Avec plaisir, on verra, mais c'est vrai que je ne connais pas encore tous les champs du COP. Oh, ça s'apprend, t'inquiète ça pas. Ça prend très vite. Ouais. On fera une petite fiche avec le texte. Merci Corentin d'avoir été avec nous ce soir. Il n'y a pas de soucis, merci Corentin. À vous. Bonne soirée Corentin d'Ilkirch, merci. Merci pareillement. On enchaîne avec Sébastien qui habite à Agno. Salut Seb. Oui, salut à tous, salut à l'équipe, salut à Maxime. Salut Sébastien. On t'écoute pour tes questions, ou tes questions, comme tu veux. Alors j'ai deux petites questions comme Luc. Alors je voulais savoir, première question, lui qui a connu pas mal de championnats, notamment Angleterre, comment il juge le niveau de la Ligue 1 actuelle? Ben, je l'ai déjà répété dans plusieurs interviews et c'est vrai que la première ligue en Angleterre, c'est vraiment un monde à part, c'est très intense, c'est très engagé et puis c'est très engagé. En France, après, ça reste très, très similaire, je dirais, voilà, un peu en dessous quand même de la première ligue parce que c'est différent, mais ça reste un très bon championnat et on n'a pas à rougir de ce qui peut se faire en Europe en fait. Donc,
Donc non, moi je suis, c'est pour ça que je suis très content. Je sais que c'est, voilà, c'est notre championnat en France et je pense qu'on peut encore plus le valoriser. Ok, d'accord. Et ma deuxième question, je voulais savoir, pour rêver un petit peu, est-ce que tu penses que le Racing a le niveau pour viser des places européennes cette saison ? Mais je vais de même te dire, c'est même pas rêver. Je pense vraiment, moi, de mon expérience, on a une équipe qui peut aller en Europe, effectivement. Je ne vais pas m'engager non plus, mais voilà, on ne peut pas tout prévoir, ça reste la beauté du sport. Mais moi, pour voir la qualité des joueurs, la qualité du groupe, il y a tout pour y arriver. Maintenant, on peut pas prédire l'avenir, mais on fera tout pour aller le plus haut possible. C'est vrai que si tu te retrouves en début de saison, enfin en début d'année plutôt 2022, à jouer encore les premiers rôles ou être dans ces eaux-là sur le classement, pas loin du tout des places européennes, c'est à quel moment qu'on se dit bon, ok, on va regarder maintenant vraiment devant ? Je pense qu'il faut rester concentré sur ce qu'on sait faire, prendre les matchs les uns après les autres comme on le fait depuis certains temps et voilà, ça marche plutôt bien. Donc voilà, faut surtout pas se mettre une pression en plus. Justement, voilà, on était peut-être moins attendu à ces places. Voilà, maintenant c'est que du bonus, il faut profiter et c'est que comme ça justement qu'on arrivera à titiller un peu le haut tableau. Eh ben merci Sébastien d'avoir été avec nous ce soir. Salut Sébastien. Ça va, impeccable. Je fais juste un petit coucou à ma chérie qui écoute, à ma famille qui écoute et aux collègues qui écoutent. Voilà. Ah bah ça fait du monde qui nous écoute, c'est bien. Merci à toi Seb. Alors. Salut Sébastien Doagno, à très bientôt. Vous aussi posez vos questions à Maxime Le Marchand. Vous nous appelez au 03 UFEIT, envoyez-nous aussi un petit message. Tiens, deux, trois questions qui sont arrivées sur Instagram, Maxime. C'est Mathieu qui nous dit, tu préférerais finir 6e et ne pas gagner la Coupe de France ou finir 9e et gagner la Coupe de France ? 9e et la Coupe de France. Ah ouais, oui, ouais. Bah au moins t'es sûr d'être en Europe quoi. Voilà, c'est ça. Maxence, penses-tu marquer dimanche ? Bon, c'est selon si tu joues ou pas. C'est ça, ouais, on verra. Un but de la tête, ça peut être pas mal. Hein. Ça serait sympa. Maxime, que penses-tu de l'ambiance de la Méno ? C'est Moa House qui nous pose la question. Est-ce que le club te plaît ? Oh. Oui, je l'ai déjà répété. Ouais, vraiment, c'est top et c'est l'une, je pense, des meilleures en France. Et Hugo qui nous demande, Maxime, est-ce que le COP te donne des frissons ? J'en ai pas des frissons parce que je suis concentré sur le terrain, mais on les sent et je peux vous dire, généralement on est concentré sur notre match et c'est très rare d'entendre les supporters derrière nous parce qu'on est tellement focus ouais. mais c'est vrai que quand ils sont là et qu'ils poussent, voilà, ça motive encore plus, ouais. Et on a Eric London aussi sur Instagram qui nous dit, tu étais sur mon vol Strasbourg-Nice hier. Ah. Je suis l'hôtesse de l'air, un bisou. Trop marrant. T'étais à Nice, c'est ça, ce week-end ? C'est ça, ouais, j'ai fait un petit tour à Nice, justement, pour régler mes soucis médicaux. Et puis, au moins, à Nice, t'as eu un petit peu de soleil, contrairement à l'Alsace, quoi. Et bien, malheureusement, ah non, c'est vrai, même pas. Je suis arrivé, je suis resté 24 heures et il n'y a eu que de la pluie, mais c'est moi qui l'aurais amené à la pluie. Ah ouais, il te déteste, retourne même pas à l'OGC Nice, hein, c'est mort. Maxime Le Marchand, 20h-21h sur Top Music, ce soir, émission spéciale, il devient animateur sur Top Music. Tiens, on enchaîne avec un nouveau titre que tu as choisi. Et bien, tu sais quoi, on parlait de soleil, et bien, on retourne sur le soleil, là, qu'est-ce que c'est maintenant ? C'est ça, Maluma Hawaii, c'est une chanson que j'écoutais en Angleterre, surtout. Que j'ai découvert en Angleterre parce qu'il y avait des joueurs espagnols qui me l'ont fait, où j'ai découvert cette chanson qui est top, qui me plaît, j'espère qu'il vous plaira. Ah bah c'est parti pour Maluma, le Colombien, avec Hawaii sur Top Music. Il est 20h32, on est en direct avec Maxime Le Marchand. On va jouer la compétition en tous les cas à fond, comme on fait tous les matchs, voilà. Après on essaiera d'aller le plus loin possible, mais c'est vrai que les coupes c'est particulier pour les joueurs parce qu'on a vraiment envie de gagner des trophées, donc ça serait pourquoi pas mal, ouais, d'aller le plus loin possible, ouais. Une question de Ludo maintenant. Max, à quelle place du classement penses-tu que le Racing terminera? J'ai pas de place en tête vraiment, mais c'est, voilà, j'espère que c'est cette première partie de tableau et qu'on puisse, voilà, être en bonne position pour pourquoi pas aller chercher quelque chose de bien pour le club, pour la ville et puis forcément pour nous, les joueurs et tout le staff. On passe maintenant à la question de Gasser. Francis, même si je pense que tu as déjà un petit peu répondu, mais tu vas pouvoir le détailler un peu plus. Quel est le joueur le plus ambianceur de l'équipe ? Ambianceur, ouais, il y en a pas mal, mais j'aime bien l'ambiance que peut mettre Dimitri Liénard, ouais, parce que voilà,
on est un peu de la même génération. Et puis il est très à l'aise dans ce vestiaire. Il connaît le club, parfaitement. Donc c'est lui un peu qui met l'ambiance. Il est très très présent dans le vestiaire et ça fait du bien au groupe. Justement, on a besoin de mecs comme ça qui sont leaders par leur expérience et par leur joie et leur joie d'être sur le terrain et d'être en Ligue 1 aussi, surtout quoi. On passe maintenant à la question de Léa. Je suis remontée un petit peu parce que c'est vrai qu'elle est intéressante. Quel est ton défenseur de référence et quel est le geste technique que tu préfères faire ? Il y a beaucoup de défenseurs que j'apprécie. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était Laurent Blanc que j'aimais beaucoup, qui était très très serein, très calme et qui dégageait cette force. Mais plus récemment, c'est Thiago Silva qui m'a toujours plu et qui est un très très grand défenseur. Après, pour le geste, forcément, en tant que défenseur, ça serait le tacle. J'adore pouvoir tacler, mais c'est vraiment un dernier recours. Mais voilà, c'est ce geste-là, c'est quand on arrive à le faire récupérer la balle. Généralement, ça ambiance en plus le public, donc c'est ce qu'on adore faire. Okay. Merci pour vos questions, on y retourne. Et maintenant, on vous offre vos places pour le match du Racing contre Reims. À tout de suite à la radio. Un petit peu de soleil à 20h35, ça fait du bien. Merci Maxime pour ce choix. Ah, pas de problème. Avec plaisir. On a besoin là, parce que c'est vrai que ça caille quand même en Alsace. Ça change pas tant que ça finalement du temps, du climat à Londres que tu avais à Fulham ou quand tu étais prêté à Anvers, non ? Non, ouais, c'est vrai, ça reste assez similaire. Mais c'est vrai qu'il fait peut-être un peu plus froid ici, mais normalement on m'a dit que c'était froid et sec. Pour le moment, je constate pas, mais ouais. Ça va être ça. Non, mais là, c'est pas la bonne période, on va dire. Maxime Lemarchand, 20h21h sur Top Music ce soir, émission spéciale. Le défenseur du Racing est avec nous. Justement, on vous offre vos places pour le match Strasbourg-Reims. Ce dimanche, 15h à la Méno, les inscriptions, ça se passe sur topmusic.fr. On vous invite à le faire toute la soirée pour encore le faire, puisque toute la semaine encore, on est tous debout. Entre 6h et 10h avec Estelle, on vous offre vos places. Mais ce soir, on a deux places en plus pour vous. Et Elodie de Staffelfelden va jouer avec nous. Salut Elodie. Bonsoir. Elodie, t'écoutes depuis tout à l'heure l'émission avec Maxime Lemarchand, ça va, ça te plaît ? Oui, super. Eh bien, parfait. Donc, tu vas jouer pour gagner tes places pour la rencontre de dimanche avec un vrai ou faux spécial Maxime Lemarchand. En gros, je vais te donner 5 questions et tu vas devoir me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et tu n'as le droit qu'à une seule erreur, Elodie. Attention. Ok. Ça marche. Et allez, Maxime, je crois en toi. On pourra confirmer si c'est vrai ou si c'est faux. On laissera quand même un petit suspense, ok, Maxime ? D'accord. Alors, première question. Maxime Lemarchand a débuté en tant que milieu offensif au centre de formation du Stade Rennais. Ouah, c'est dur ce que tu lui demandes. C'est juste vrai ou faux ? Oui. Ah, oui. Vrai. Vrai, ok. Maxime ? Ouais, c'est vrai. C'est une bonne réponse, effectivement. Bravo. C'est vrai. Ouais, bravo. C'est bravo. Dur. C'est vrai que tu as commencé milieu offensif au Stade ouais, Rennais. Mais généralement, quand on est jeune, on veut tous marquer des buts. Et puis, petit à petit, avec l'âge, on recule. Donc voilà, après, ça sera gardien de but pour moi, non ? Allez. mais c'est ça. Maxime a eu Raymond Domenech en entraîneur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Faux. Bravo ! C'est faux, non. Tu l'as pas eu. Ah non, je l'ai pas eu. Non. J'aurais aimé, mais pourquoi pas. Ah si, j'aurais aimé faire de l'équipe de France, avoir Raymond Domenech. Ah oui, alors dans ce cadre-là, ouais, d'accord. Ce cadre, okay. Voilà. Maxime était fan du FC Metz lorsqu'il était enfant. Vrai ou faux ? Faux. J'espère bien. C'est faux. C'est faux, effectivement. Je n'étais pas fan du FC Metz. Maxime a deux filles et l'une d'elles est anglaise. Vrai ou faux ? Vrai. C'est vrai ? Bravo. C'est vrai ? Elle est anglaise, elle n'est pas anglaise. Elle est née à Londres. Elle est née à Londres, effectivement. C'est Amael, c'est ça ? Amael, c'est ça, oui. Et ton autre fils s'appelle ? Rosen. Des noms bretons, ouais. Bah, oui. Bretons. Bah voilà. Bah, Kenavo, Maxime. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je te le dis, parce que c'est ce truc en breton que je connais. Au revoir. Bon, alors attention. Ça veut dire au revoir. Ah, c'est Kenavo, c'est au revoir. Ah, je suis dit au revoir au milieu de l'émission. On va attendre un petit peu. Et enfin, dernière question, Maxime a une émission de la télé qui lui permet aux agriculteurs de trouver l'amour. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Faux. Oui, parce que c'est. L'amour dans les prés. Oui, mais c'est qui présente surtout ? C'est. Bravo, ouais, en tous les cas. Karine Lemarchand. C'est Karine Lemarchand, bah oui. Et pas Maxime. Rien à voir avec ta famille, on est d'accord. Non, à chaque fois on me pose la question, mais non. Ouais. Bon, ça fait 5 sur 5, bravo Elodie ! Bravo ! Super ! Bravo ! On t'offre tes places pour Strasbourg contre Reims dimanche à la Méno. Tiens, ton pronostic, tant qu'on y est. Allez,
3-0. Ah, bravo Elodie. Voilà. Allez, ma punaise. Vous avez la pression. Ouais, là. Toi, t'as écouté le pronostic de Maxime. Faites gaffe, attention. Mais oui, mais oui. Ah, voilà. Bon, allez, dans 4 minutes, on va faire un petit un blind test surprise à Maxime. Alors, ce sera pas un blind test musical, je te le dis. Ah. Tu restes avec nous ? Bien sûr. Ça marche ? Bah oui, de toute façon, jusqu'à 21h, t'as pas le choix. La porte est bloquée, hein, tu peux pas partir, je te le dis. On revient dans une petite minute avec aussi un titre que t'as choisi, c'est Michael Jackson. Oui. Lequel ? Rock With You. Rock With You de Michael Jackson dans une petite minute. On revient avec Maxime Le Marchand en direct jusqu'à 21h sur Top Music. Non, tu sais quoi ? Vas-y, je te laisse. Ouais. Bon, alors, pendant que Charlie... Alors, Charlie va préparer le petit blind test qui t'attend. Je peux pas te dire ce que c'est. C'est une surprise. En attendant, on va un petit peu regarder ce qu'on nous a mis comme commentaire. Alors, je vais un petit peu remonter parce qu'il y a beaucoup de bonjour, on vous soutient. Ah, j'ai une question de Olivier. Maxime, est-ce que tu pourrais jouer au poste de latéral gauche pour dépanner en cas de joueur blessé ou suspendu ? Oui, bien sûr, ouais, je peux dépanner en tant que latéral gauche, mais plus dans une défense à 4. Donc voilà, avec 4 défenseurs, là on est plus avec 5 ou 3 défenseurs centraux. Donc voilà, moi je peux effectivement dépanner. Donc ça peut être une option pour le coach. Alors, c'est marrant parce qu'avant tu disais oui, plus au début tout le monde veut marquer des buts. Et en fait, plus on grandit, plus on se rend compte que le milieu défensif, enfin, le côté défensif est important aussi. Et ça me fait penser, en musique, c'est un peu pareil. Parce que tout le monde veut jouer de la guitare au début ou être le chanteur. Mais finalement, le bassiste, tu te rends compte que c'est aussi très important. Ouais. Mais tu t'en rends compte un petit peu plus tard, effectivement. Bon, voilà, ça m'a fait penser. Il y a John qui demande comment trouves-tu Strasbourg et l'Alsace plus généralement ? Comme j'ai dit plus tôt, j'adore, j'aime beaucoup, je découvre, je connaissais pas cette région, voilà, je découvre, j'ai visité un petit peu, on m'a montré quelques coins, mais il reste encore pas mal de choses à découvrir, mais en tous les cas, ça me plaît, j'en avais entendu beaucoup de bien, et maintenant j'espère que je vais découvrir les super coins de l'Alsace. Ouais. Flo a une question intéressante. Qu'est-ce qui te donne le plus de peps dans les discours ? Je pense notamment au discours de mi-temps, finalement. Pour remotiver. Ouais, il y a plusieurs. Ça dépend du contexte, mais généralement, ouais, c'est valeurs de cohésion, d'esprit d'équipe et voilà, d'aller chercher quelque chose. Les uns pour les autres. Moi, je suis quelqu'un d'assez altruiste et je travaille un peu pour. Pour l'équipe, voilà, quand on est défenseur, c'est généralement ça. Et c'est ça qu'on doit aller chercher quelque chose. C'est vraiment pour les copains, en quelque sorte. Et c'est ça qui peut motiver. Une question de Noël. Que penses-tu du projet d'agrandissement du stade de la Méno ? Vaste question. Ouais, mais c'est une bonne question. Mais nous, en tant que joueurs, forcément, c'est top. Pour le club, je pense que ça va aussi... amener beaucoup d'atouts, donc forcément on a hâte que ça puisse commencer. Je pense que maintenant dans ce football moderne, il y a besoin de ça. C'est vrai que la Méno est super, mais avec une tribune encore plus récente, ça serait génial, autant pour les supporters, pour les joueurs et puis pour le championnat de France, quoi. Alors Charlie revient en stress. Parce qu'il doit bander les yeux de Maxime pour le blind test qui va suivre. Et il n'a rien. Donc il revient en stress. Mais attends, moi j'ai une écharpe. Ah, je sais pas, ça te dérange ? Bon, allez, heureusement que je suis venue avec une écharpe. Heureusement qu'il fait froid dehors hein, aujourd'hui. C'est bon, tout est prêt, Charlie ? J'ai encore le temps de poser une petite question ou Alors attention. Seras-tu encore au Racing l'année prochaine ? Ça, tu peux déjà le dire ? Oui, 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 il sera encore au Racing. Ah, est-ce que vous avez déjà eu des grosses disputes dans le vestiaire ? Des grosses disputes, ouais, ça peut, bien sûr, ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver, mais justement, c'est assez bien comme on est une famille et dans la famille, des fois, ça peut clasher. C'est sain parce qu'après, ça se finit toujours très bien. Je rassure tout le monde, ça se finit toujours très bien. Et puis après, on avance comme ça. Donc ça permet justement de se dire les choses des fois et de repartir de l'avant. Parfait. Ok, alors attends. On revient en live, en direct.
et en direct sur Top Music. ...20h43, c'est l'émission spéciale avec Maxime Lemarchand ce soir sur Top Music. Il est animateur avec nous, 20h-21h. Alors ça va, ça se passe bien la radio ? Oui, bien sûr, ouais, ça se passe bien. Ouais, reconversion ? Mais là, tu me fais peur, un peu ton regard me fait peur. Ouais, alors, puisque Maxime, on rappelle que tu nous as dit que tu étais passionné de cuisine. J'aime beaucoup la cuisine. Ce qui paraît que pendant le premier confinement, tu as beaucoup regardé l'émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac sur M6. Ouais, je vois que tu es bien informé. Ouais. Oh, tout à fait, tout à fait. J'ai mes informateurs. Du côté de Nice, notamment. Ouais. On salue Émeric. Alors, on va te faire un blind test culinaire. En gros, tu vas avoir les yeux bandés et à l'aveugle, tu vas devoir reconnaître les produits que tu goûtes. Attention, tu peux être piégé. D'accord. Ok, donc je vais te proposer de mettre l'écharpe sur tes yeux. Maxime, garde le casque. Garde le casque. Ouais, ouais, garde bien le casque, comme tu pourras entendre. Et Estelle va nous chercher deux assiettes. Il y a une assiette salée, une assiette sucrée. Et prends la fourchette aussi, Estelle. Et tu vas devoir prendre avec la fourchette ce qu'on te dit. On va essayer de faire en sorte que tu arrives à tout piocher, tout simplement, puisque à la bug, c'est vrai que c'est pas facile. Est-ce que tu vois quelque chose ? Ah non, je vois rien. Là, qu'est-ce que je dois deviner, en fait ? J'ai combien sur ma main, là ? Je sais pas. J'en avais trois. Trois, comme nombre de buts. Hein ? On commence par la salée ? Allez, on va commencer par la salée. Bah oui, logique. Bon, peut-être que l'odeur va te mettre un petit peu sur la piste. Tu sais quoi, je vais me lever, parce que je vais bien voir. Je le sens pas. Ouais, moi aussi, je le sens pas. Alors, il y a des assiettes salées et sucrées. Voir l'assiette, attends, j'aimerais bien la filmer. Ouais, tu peux la montrer à la caméra. Tiens, celle-ci, regarde, Estelle. Tu peux la montrer à celle-ci. Normalement, ça devrait marcher. Non, on voit pas du tout. Si, ça y est, on voit. On va pas dire ce que c'est, mais Maxime va goûter au fur et à mesure. Tiens, voilà. donne la fourchette dans la main de Maxime, voilà, comme ça il va pouvoir piocher. Ah, tu es gaucher. Et gaucher. Prends quelque chose au hasard. Allez, vas-y, c'est tu vas. C'est là t'as quelque chose. Là, tu piques. Allez, ouais. Tu fais quelque chose. Allez, vas-y, vous peur. On te laisse goûter. C'est bon, j'ai quelque chose, hein ? Ouais, tu vas devoir reconnaître ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le chou, ça ? C'est le chou ? Pour le la chou de... non ? Le chou de la choucroute. Froid, c'est pas terrible, hein ? Non. Effectivement, mais il y a plus de goût. Hein. Le... Ah bah oui, c'est vrai, c'est fort. Ouais. Ça fermente bien. C'est pas cool, bon, Charlie. Eh ben allez, le chou, c'est validé. C'est une première bonne réponse, le chou à choucroute. Attention, un deuxième. Estelle, tu peux l'aider, hein, puisque Maxime est à l'aveugle. Et je suis bon, là ? On est en Facebook Live, vous pouvez suivre cette petite séquence pour voir le blind test culinaire de Maxime Lemarchand en Facebook Live et sur YouTube. Ouais, vas-y, ça, c'est juste avec les mains, vas-y. T'es pas obligé de tout prendre, hein. Tu peux juste en couper un morceau. Non, il a faim. Ouais, il a faim. Faut que je goûte. On l'a pas nourri, ce pauvre homme. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ça ? J'en ai aucune idée. Ça a quel goût ? C'est... Alors ? C'est une pâte feuilletée ? Non. Pas une pâte feuilletée. T'as le goût de pain, alors, un petit peu. Un petit ouais, goût de pain, c'est ouais. Ça, un peu, ouais. C'est un bretzel ? Ah, le bretzel. Eh ouais, j'en ai goûté qu'un depuis que je suis arrivé. C'est vrai, tu l'as pas reconnu ? Et je l'ai pas reconnu, non. Ah bah, désolé. C'est pas grave. Bah alors déjà, je peux te dire qu'ici, on dit... La bretzel. Ah non, voilà, arrête, c'est tout, je m'arrête là. Non, c'est vrai ça ? Un bretzel. Il y a c'est un débat entre la majorité des gens. Il y a 50% qui disent le et 50% qui disent là. Non. Moi je dis le bretzel. Attention, autre chose. Tiens, on va essayer d'enchaîner là, tu vas. Ouais. Tu peux le prendre avec la main et coupe-le parce que c'est peut-être gros. Qu'est-ce que c'est ? Faut que tu prennes tout. Attends, ouais, mais j'ai deviné là déjà au toucher, non ? Au toucher, j'ai deviné. Vas-y. C'est quoi ? Mais attends, il y a ça qui m'a... Ah, c'est froid, attends. Ouais, t'aurais pu réchauffer. Il y a ça qui m'a avec, en dessous. De quoi ? En dessous, il y a un truc qui m'a avec. Bah oui, il y avait autre chose. Ça va avec. Juste en dessous. C'est une galette de saucisse, quoi. Alors, oui. C'est une galette de saucisse, effectivement, mais c'est pas une galette de saucisse comme à Rennes. Ouais, c'est pas la même saucisse. Hein. C'est la knack, la saucisse de Strasbourg. Ouais, ouais. Mais tu trouves que ça va bien ensemble ou pas ? Pas vraiment. Non, d'accord, ok. Écoute, on valide pas la version galette de saucisse alsacienne. Alors ça, je suis sûr que tu vas découvrir, tu ne connais absolument pas. Attends, prends avec le bout des doigts, voilà, et tu peux manger de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est ? Bah, comment on dit déjà en alsacien, ça ? C'est un truc alsacien, ça ? La Schmerwurst. Voilà. Bon, Maxime, je pense que tu ne sais pas ce que c'est, la Schmerwurst. Ah non. Voilà, bah, vas-y, goûte. Ouais, vas-y, ouais, vas-y. Tu croques, dans la bouche. Tu croques, ouais. Hein ? Ouais, c'est ça, c'est bien, parfait. Je suis pas sûr que tu vas aimer ça. Hein. Bah, si. Ah, t'aimes bien, c'est vrai ? Ouais, c'est bon. C'est la saucisse à tartiner, en fait. Ah ouais, bah c'est très bon ça. C'est la colmette, enfin ouais. Ça a plein de noms différents. Ouais. Elle est la dernière spécialité. On termine pour. Je l'ai mise au bord de l'assiette. Pourquoi tu le prends avec les doigts, Estelle ? Avec les mains aussi ? Ouais, vas-y, fais-toi plaisir avec les mains. Mais c'est le bout qui mangera pas. Donc ça, c'est un fromage, ça ? Non, pas du tout. Bah ouais. Alors, c'est quoi ?
C'est quoi, c'est du camembert ? Bah non, t'es sérieux ? Non. Maxime. On est où ici, là ? Le fromage ici ? Ouais. C'est quoi ce qu'on mange en Alsace ? Ça sent. Bah, ça sent quoi ? C'est le fromage à raclette ? Non ! Bah, le main. Je sais même pas. Minster. Bah, je suis désolé alors pour ceux qui nous écoutent. C'est très bon par contre. C'est très bon. Ah ouais, c'est bon. T'as vu, c'est bon. Hein. Ouais, c'est très bon, ça sent. Merci. C'est très bon. Et puis attention, on va passer au sucré. Attends, il y a du sucré ah aussi. Oui, aussi. Du sucré. Ouais, ouais, merci. Ouais. Ça fera passer. Désolé pour le fromage. Le sucré. Il y en a que deux. C'est tout petit. C'est tout petit. Qu'est-ce qu'on a préparé pour Maxime ? Allez-y, tu peux prendre ça au milieu de l'assiette. C'est sec, hein, t'inquiète pas. Il n'y a pas de piège, voilà. Ça, c'est du petit gâteau alsacien. Le truc, c'est que tu dois avoir les mains qui sentent un peu le minster, donc prendre ouais. Après des petits trucs sucrés, ça doit être particulier quand même. Alors, c'est quoi ? Bah, c'est des petits gâteaux secs de Noël, je sais pas. Quelque chose. Bah non. C'est du sablé breton ? Non. Mais si ! Oh punaise. Ah bah, c'est de chez toi en plus. Ah ouais, c'est de chez moi. Bah, c'est de ta région, le sablé ouais. Breton, Maxime. C'est pas les bons, c'est pas les vrais. Mais attends, et on en a un dernier. Ah oui. Vas-y, est-ce que tu peux le goûter celui-ci ? C'est pas ouais, là. C'est ça, celui-là, ouais, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ? Et là, il va me dire c'est la même chose. Non, ça se voit que c'est pas la même chose. Et ça, c'est du... Estelle, tu sais ce que c'est ? Un spritz ? Ouais, c'est un spritz. Ah oui, ça se voit, ouais, c'est un spritz. C'est... Tu sais ce que c'est un spritz ? Non. C'est un bredel de Noël d'Alsace. D'accord. De chez nous. En fait, les gâteaux de Noël en Alsace, tout à chaque Noël, t'as plein de gâteaux différents qui sortent, ouais, des gâteaux secs. Ça. Voilà. Mm-hmm. Et ça en fait partie, le spritz. Moi, c'est mon préféré. C'est pour ça ouais, que et, oui, c'est aussi mes préférés, les spritz. Ouais. Okay. Et y a, juste, ça me fait marrer, il y a Sylvia qui écrit Charlie, attention, pas d'indigestion pour Maxime, il y a match dimanche. Non, ça va. Tout est mangeable, hein, je te rassure. Ouais. On a juste mis un petit peu de cyanure là, sur la saucisse, mais tu l'as je pas peux vu. Enlever les chars, alors. C'est bon, tu peux enlever les chars. Bravo, Maxime. Bravo ouais, et tout est fort quand même. Hein. Et c'était pas facile. T'as quand même tout trouvé. T'as quand même tout trouvé, Maxime. Tiens, dans un instant, on vous offre votre maillot dédicacé par Maxime Le Marchand. Ça vous dit de jouer ? Bah, allez-y, vous commentez la publication qui est en ligne sur la page Facebook de la radio. Et on vous offre donc le maillot que tu porteras au prochain match et que tu dédicaceras aussi, Maxime Le Marchand. En attendant, on écoute Kenji avec Dadju, c'est ça ? C'est ça, Kenji et Dadju, que j'aime beaucoup. J'ai découvert à réécouter la radio en France et c'est la première qui m'a plu. Donc voilà, j'espère aussi, je pense que tout le monde la connaît. Donc eh ben c'est parti. Ouais. Alors, un petit... tu peux nous faire un petit débrief là, de ce que tu as mangé ? Ben, je m'attendais à des spécialités, ouais, c'est vrai, mais et forcément, ouais, bah, c'était intéressant de savoir. C'est vrai qu'on aurait pu réchauffer un petit peu, mais ça va, c'était pas mauvais. Non, mais tellement cruel, Charlie, d'avoir fait manger Maxime des choses froides comme ça. Non, mais franchement. Bon, alors, on en est où côté commentaires ? Bon, alors, t'as beaucoup de messages vraiment de, enfin, des gens qui t'adorent. Je pense que t'es hyper soutenu et ton arrivée était très attendue. Ah oui, bon, alors il y en a qui nous ont dit que Mélie a fait 6 kilos de bredele de Noël. Donc, tu auras l'occasion de les manger sur le marché de Noël. Hein. Cuisiner la pâtisserie aussi, peut-être que. J'aime beaucoup cuisiner, notamment la pâtisserie, donc peut-être que j'essaierai aussi de les faire, mais bon, je suis sûr qu'ils seront moins bons que les siens. Ah, et d'ailleurs, il y a Géraldine qui te demande ce que tu as préféré dans tout ce que tu as goûté. Bah, je crois que c'est le dernier, le petit, comment vous dites, le spritz. Dans le salé, je dirais le fromage, je pense. Oh, le master, ouais, c'est ça. Retiens, le minster, ouais, c'est minster, d'accord, ouais, je retiens. Et alors justement, on parle de spécialité culinaire, mais Noël demande si tu arrives à parler avec l'accent alsacien. Alors non, j'ai essayé, mais non, je pas encore, j'y arrive pas et je sais pas, peut-être que quelqu'un pourra me faire une démo ici. Salut Bissom. Salut Bissom. C'est ça ? Bissom, c'est tout le monde. Salut tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Francis qui nous dit Go Racing, Go Max à fond derrière mes bleus, allez Racing. Le marchand de sable est passé, mais Nathan, le maillot. Ok, pas mal aussi. On t'a déjà fait souvent la blague, le marchand de sable, ouais, c'est courant. D'ailleurs, à un moment,
Si, mais bien sûr que si, c'était la Star Academy. Mais oui, la Starac 2. La Starac 2. Ou la 3 même, la 3. Allez, on y retourne. Il est 20h54, c'est l'émission spéciale avec Maxime Lemarchand qui se termine. Et on est sur la fin, Maxime, là. Ouais, mais ça passe vite. On est sur la fin, mais juste avant de vous quitter, on voulait encore vous offrir un super cadeau. C'est ton maillot du prochain match dédicacé que tu offriras à l'un de nos auditeurs qui s'est inscrit toute la soirée là, sur la page Facebook de Top Music. Il y avait la publication qui était en ligne, à commenter, à liker, à partager. On a 5 présélectionnés, ok. Donc c'est toi, Maxime, qui va tirer au sort là ou le gagnant. Ça marche. Donc je vais te demander un numéro entre 1 5 tout simplement. Allez, le 2. Le 2, c'est parti. On appelle, on est en direct. Je ne sais pas qui c'est, hein, je t'avoue. J'ai juste les numéros. Ah d'accord. J'ai juste les numéros. Donc on espère que ça va décrocher. Le numéro 2 qui a été sélectionné par Maxime Lemarchand parmi tous les commentaires. Allô, allô. Oui, bonjour, c'est qui? Oui, c'est Lucas. Lucas, t'habites où? J'habite à Haguenau. À Haguenau. Lucas, tu t'es inscrit sur la page Facebook de Top Music pour gagner ton maillot dédicacé de Maxime Lemarchand. Oui, c'est ça, oui. Eh ben écoute, Lucas, j'ai envie de te dire, c'est gagné. Bravo. Merci, chance, la Lucas. C'est génial. Avec grand super, plaisir. Lucas de Haguenau, tu gagnes ton maillot dédicacé par Maxime Lemarchand pour le prochain match, on espère dimanche, pourquoi pas. J'espère aussi. La classe contre Reims, j'espère que ça va être le feu ce match, que ça va nous permettre de gagner encore une place. Et... Tu seras à la méno ? On est tous derrière le Racing, bien sûr que j'y serai. T'es abonné ? Non, j'ai pas l'abonnement malheureusement. Bon bah écoute, Maxime va te gérer ça. Et généreux. Tu fais du quelle taille, Lucas ? Parce que bon, on va t'offrir le maillot de Maxime Lemarchand, mais ce sera peut-être pas la bonne taille. Après, c'est collector. Ouais. On va dire ça. Alors, comme ça. Bon, c'est pas en ma faveur, mais je fais un XL. Ouais, c'est XL. Ouais, mais les XL Adidas, ça taille grand, donc. Je pense que ça sera du L maximum. Du L. Ouais. Bah, L, ça ira. Alors, on va dire ça comme mais ça. Mais de toute façon, pour l'afficher dans le mur de ton salon, t'as pas besoin de la bonne taille, voilà. Hein, on s'en fiche. Oui, ça dépend pourquoi. Oui. C'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va dire. Tiens, vas-y, Lucas, on profite. T'es à l'antenne avec Maxime Lemarchand. Si t'as une question pour lui, vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que ça fait de Maxime, salut déjà. Qu'est-ce salut, que ça fait de rencontrer des joueurs du style quand tu fais des matchs contre le PSG, Neymar, des joueurs vraiment internationaux, mondiaux, ça donne une impression particulière de jouer face à des joueurs comme ça? Alors ouais, pour être tout à fait franc, on peut quand même être impressionné juste dans le tunnel, tu sais, dans le tunnel avant de rentrer sur le terrain. Où ouais, là on peut ouais. voir les joueurs de plus près, mais une fois que tu rentres que t'es sur l'herbe, ben c'est un joueur comme tout le monde en fait. Ça mmh. paraît un peu bizarre, mais voilà, ça reste un joueur comme tout le monde. Mais c'est juste avant le match là, justement dans ce tunnel où la pression peut monter un peu et quand tu peux voir de grands joueurs, ouais. Ben voilà, d'accord, très bien. T'as ta réponse et en plus t'as le maillot de Maxime Lemarchand qui te sera offert directement. D'accord. Lucas, reste à l'antenne, on va prendre toutes tes coordonnées. Bonne soirée, Lucas, bravo pour ce gain. Bravo, Lucas. Et merci Maxime d'avoir été avec nous ce soir, hein. Franchement c'était un vrai plaisir. Ben, merci à vous, merci pour l'invitation, j'ai pris énormément de plaisir. Oui. Ben, nous aussi, je pense que tous nos auditeurs aussi qui étaient connectés à la radio, sur le Facebook Live, sur YouTube également, ont beaucoup apprécié et c'est vrai que tout le monde le dit, mais ton intégration a été faite facilement, rapidement, et puis aussi parce qu'on le voit, on l'a constaté ce soir, je pense que tu es un joueur qui marquera en positif l'histoire du Racing. Déjà, les résultats sportifs sont là avec toi. C'est vrai que tu as solidifié aussi cette défense du Racing. Et puis voilà, tu es aussi un gars très sympa, qu'on apprécie beaucoup. Donc, et très beaucoup. Intelligent, on a beaucoup ça dans les commentaires. Ah bon, c'est vrai. Merci. C'est gentil, merci. Demain, dans le vestiaire, ce sera le roi. Maxime, on va terminer avec le dernier titre de ta sélection. Et là, tu vas nous faire plaisir avec les gros classiques. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Un titre que j'adore, surtout en vacances, où je peux partir en vacances, je l'écoute beaucoup et on s'amuse pas mal dessus. Et c'est quoi du coup ? Gala, Freed from Desire. Ah bah c'est parti, on est dans les années 90 avec Gala, Freed from Desire. Merci Maxime Lemarchand. Merci. Bonne soirée, bon match dimanche contre Reims. Et puis le replay de cette émission sera dispo sur tous les réseaux sociaux de Top Music. Bonne soirée, à demain 6h avec SL, salut.